Présenté il y a tout juste un an, le Maxime 400 est le scooter haut de gamme de la marque SIM. Apprécié pour ses nombreux équipements, sa tenue de route imperturbable et son rapport qualité-prix alléchant, le Maxime est un challenger de poids sur le segment des maxi-scooters. En 2012, il rajoute une corde à son arc en se dotant d'un système ABS qui lui faisait défaut jusqu'alors. Taillé comme un Maxi GT, le Maxime ne fait aucun complexe en affichant un gabarit cossu et valorisant. Les lignes aux courbes douces et les optiques en amande ornées de rangées de LED rappellent les codes esthétiques initiés sur la gamme GTS. La capacité d'emport est très appréciable avec une large boîte à gants et deux vide-poches latéraux dont l'un contient une prise 12V et une prise USB. L'ouverture de la selle s'effectue soit au contacteur, soit électriquement depuis le guidon. Deux vérins hydrauliques facilitent l'accès au coffre moquetté et éclairé, qui est capable d'accueillir deux casques intégraux. Le Maxime regorge de multiples fonctions très pratiques, à l'image du volet anti-effraction au contacteur ou du frein de parking qui s'avère franchement utile au quotidien. On apprécie également la toute nouvelle aération chauffante au pied du conducteur. Ce dernier profite d'ailleurs de multiples possibilités de réglage pour ajuster l'ergonomie à sa morphologie. Écartement des leviers, hauteur du pare-brise, profondeur du dosseret et possibilité de rouler pied à plat ou légèrement surélevé. Le passager n'est pas oublié, avec un dosseret dédié, de larges poignées de maintien et des repose-pieds escamotables. Notons enfin la présence d'un tableau de bord fourmillant d'informations, mais pas toujours irréprochable en termes de lisibilité. La tenue de route du Maxime ne souffre en revanche d'aucune critique. Hyper stable et rassurante, la partie cycle permet de tailler la route sans appréhension. Littéralement posé sur sa trajectoire, le Taïwanais est imperturbable à l'attaque des courbes. Si cette rigueur se traduit aussi par une agilité moins spectaculaire en ville, le Maxime ne démérite pas pour autant en milieu urbain. Il profite d'une motorisation souple et douce dans les bas régimes avant de s'envoler passer les 40 km/h. Sur voie rapide, le monocylindre 4 temps injection de 32 chevaux flirte avec les 150 km/h chrono. La protection offerte par le pare-brise est convaincante au niveau du buste et les vibrations sont bien filtrées. L'arrivée de l'ABS ne perturbe pas l'excellent freinage du Maxime qui offre puissance et progressivité. Le système d'anti-blocage n'est pas couplé au levier gauche mais il apporte un net gain de sérénité lors des freinages d'urgence ou sur route glissante. Déjà fort convaincant sans ABS, le Maxime prend encore du galon avec cette nouvelle version et pour ne rien gâcher, le SIM profite même d'une garantie étendue à 3 ans. Autant d'arguments qui en font un outsider de choix dans cette catégorie des maxi-scooters mid-size. You got it.